Voilà, ensuite Dolores. Mauvais œil sur la méduse numéro 1. Ok. Alors, je vais dessiner un œil pour celle-là. Voilà. Alors, mauvais œil pour la. Et dans. Voilà. Zuin. Éramir. Éramir! Je fuis! Non. Syndrome post-traumatique. Zuin. Je vais taper la numéro 1. Donc, pas celle qu'en face de toi? Non. Bah, tu lui fais une attaque Bah, je suis à d'opportunité côté. là. Ouais, tu peux. Ouais, je sais pas. Tu lui fais pas Je vais une. faire attaque plus destruction des morts vivants. Vas-y. C'est bien hein, de dire aux autres qu'on c'est des morts vivants. Donc ta concentration. C'est bon. Je fais 16. C'est bon. Alors le jet d'attaque, ouais. Est-ce que tu as un 12 plus. Plus 7. 19? Ouais. C'est tout petit. Dégâts. Ah non, ça passe. C'est dégâts. Ça passe. Allez, dégâts. Dépêche-toi. Alors, dégâts. C'est petit, hein. 5 et 6, 11. Et les dégâts de la. Et les dégâts, oui. Et les dégâts de la destruction, 2. Donc 13. D'accord. Bah écoute, elle s'est pris des dégâts. Et Rémir. Voilà. Et Riel. J'essaie de retirer dessus sur la 1. Vas-y. J'ai pas le moins 4 maintenant qu'il est en pierre. Oui. Hein? Oui. Bon, de toute façon, c'est foiré. Bah, au pire, c'est pas grave. Si tu fais un effet critique, c'est lui qui prendra la flèche et puis on verra au réveil. Et je recharge. Il aime pas belle. Comment tu sais qu'elles sont pas belles? Parce qu'elles ne le sont pas. Ouais? Non. Alors, du coup, la numéro 1, elle se jette sur toi et la numéro 2 aussi. Je trouve que c'est très subjectif. Raté. Et raté. Derrière. Bah, je tire. Deux têtes de femme qui se jettent sur lui, là, c'est clair. Comment? Elles veulent son. Ouais. Son jambon. Est-ce que je. J'y ai pas pensé, il faut que je leur donne mon jambon. Est-ce que je risque de toucher Zuin comme ça? Si oui. Je tire avec mon. Elles sont peut-être allergiques au porc. C'est pour ça que t'as un malus de moins 4 pour justement pas le toucher. Ah oui, d'accord. Ah, mais faut que vous bougiez aussi. J'essaie quand même. Ouais. Oh, de toute façon, c'est raté lamentablement. J'ai 3. C'est mort. Naturel. Dolores. Ah, je peux poser une question aussi, en même temps que j'ai tiré. Ouais. Est-ce que les morts vivants. Est-ce que le poison marche sur les morts vivants? D'accord. Tu as posé ta question. Sans trop de difficultés, Ariel, je peux te répondre que. Zuin. Enfin, ça dépend quel poison en fait. Zuin. Ah, Dolores, avant, Dolores. Ouais. C'est sensible aux cris persans, les morts vivants? S'ils entendent, oui. Mmh. Bon, après, ils entendent de plus au pire. A priori, ils ont des oreilles, donc elles doivent entendre. Ok, j'essaye cri persan. Je lance le sort. Sur laquelle? Sur la numéro. Celle qui est en face des. De. Zuin. La 2. La 2. Donc elle fait un jet de dégâts, si elle réussit, c'est les moitiés de dégâts, c'est ça? Oui, et réduit les dégâts de moitié. D'accord. Et bah. C'est un jet de sauvegarde. Ouais, c'est fait. Donc vas-y, fais-moi les dégâts. C'est 5d6. C'est 1d6 par niveau? C'est 1d6 par tranche de. Ah oui, de 2 niveaux, donc c'est 3. Vas-y. Je peux avoir 2d. 6. Merci. 2, 3, 5, plus 4, 9. Ok, elle a pris des dégâts. Il n'y a pas un autre effet? Elle est pas. Elle est hébétée pendant. Ah voilà. Zuin. Un round. Bah, je vais refaire pareil sur la première. Vas-y. Sur celle qui est hébétée? Non, sur celle que j'ai trouvée. Il n'a pas de bonus si elle est hébétée ou pas. Donc, ouais. Concentration. Alors, concentration 15, plus c'est bon. 13. J'ai d'attaque. 7 et 7, 14. Ah, passe pas! Et Rémi. Et Riel.
Faudrait choisir d'autres musiques en raid. Pourquoi? C'est trop flippant. C'est le but. Bah, allez, canalisation. Pour les détruire. Vas-y. Ah oui, du lancer les. Pour soigner ou pour blesser? Pour blesser. Vas-y. Donc elles me font des jets de volonté. Donc 12, 19. 19 dégâts. Ça, c'est une bonne canalisation. Ok, donc là tu les vois, ils font. Ensuite, les méduses. Ah oui, c'est vrai. On va être dans la merde. Hein. Alors, il y a la numéro 2 qui s'est mis à crier. Tout le monde me fait un jet de volonté. Lamentablement foiré. D'accord. Ceux qui ont fait moins de 16. Attends. Ils sont secoués pendant un round. Bah, oui, et la deuxième, c'est un malus 2. C'est moins 2 à tous les jeux. De toute façon, je peux pas faire plus de 16. Attends, j'ai dit que c'est la 2 qui roulait. Ouais. Bah, je peux pas les bêter. Bah, c'était là. Plus 4 c'est tout pour elle. Volonté, donc, avec un D6. Mais c'est un D20 qu'il faut lancer. Pour le jeu de volonté. Pourquoi je lance un D6, pardon. Attends. Ouais, de toute façon, je suis bêté. Imperia. Je lance. Avec mon arc. Tu tires, non? Ouais, je tire. Ah ah! 16 plus. Je sais pas combien j'ai. Attends, je regarde. Ça passe ou ça passe pas avec un signature? Laquelle tu utilises? La 1. Alors, oui. Et donc, je fais 1 des 6. Oui. Ça va pas le faire. 1. Dommage. Dolores. Et est-ce que les rayons affaiblissants aussi, ça marche? Tu veux l'affiche? En théorie, oui. Dans la pratique. Voilà, un vin naturel, okay. Quand le dé tombe. Je lance une baguette de rayon affaiblissant. Alors, tu sors ta baguette et tu lances un rayon affaiblissant sur laquelle? Sur la numéro 2. D'accord. Et tu lances le dé pour voir comment. Et c'est un des 6. Plus 3. Plus 3. Puis-je avoir un autre D6? Merci. Pourquoi un autre D6? D6. 3D6. Plus 3. Ah, pardon. 6. Ça fait 9. N'envoie pas au raid. Excuse-moi. Ok, c'est comptabilisé. Pareil, hein. Je continue à bourriner la numéro 1. Oh oui, vas-y, bourrine là. Ah oui. Alors, envie que je vais mettre profond. Ouais. 4 plus 13. Il fait, c'est bon. C'est bon. Bon, par contre, 6 plus 7, ça va pas passer. Ça passe pas. Pas très palpitant comme combat. Hein. Et Rémir. Putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah! Et puis il tape la numéro 1. Il a qui ce là? Ça fait mal au crâne! Et là, puis il la touche. Ok, il tranche la tête de Méduse en deux. Et Ariel. C'est trop bizarre. Et là, il y avait un. Ouais, vas-y! Je m'approche et je lui fais assistance divine. Ouais, t'as vu? J'assiste divinement le paladin. C'est la première fois depuis. Depuis que je suis née. Je peux virer là, la tête de Méduse? Oui. Zune, elle essaye de te mordre. Elle veut aller se faire voir. Hein, c'est bizarre. C'est trop bizarre. Je t'appelle jamais Carolina. Ouais, t'as vu? Comment je sais? T'es quoi, de sœur? Je l'appelle Caca. 16. Ça passe. Non, c'est pas vrai. Caca. Je ne serai jamais. Carsens. Patate. Moi, je l'appelle Caro. Ok, alors le fameux jet qui fait du bien. Ok, tu t'es fait mordre. Impérial. J'essaye encore de. Je peux pas tirer, ils sont en train de me bloquer le chemin. Tu peux, mais t'as vraiment 4. Ah, bon, j'en ai marre, je change. Je sors ma rapière. Ouais. Je peux faire un coup de rapière en ayant un arc dans l'autre main. Oui. Et je fais un pas de placement vers la méduse. Alors en gros l'idée c'est que tu sors une arme. Je peux l'égorger avec la corde de mon arc. Ah merde, elle a pas de coup. Et après je peux pas la buter. Bon j'évite.
Tu sors juste ton arme. Je sors juste mon arme et du coup je rentre mon arc et court. D'accord, Dolores. Oh, deuxième rayon affaiblissant avec ma baguette. Ok, vas-y. 7. Mon dieu. Zivine. Bon bah j'en fais pareil. Hein. Mais rayon, tu dois faire une attaque de contact à distance. Tu me lances 2d20 s'il te plaît. Un seul, c'est pas rétroactif. Lance-moi juste celui-là. 9. Tu rates. Ah. Donc Zivine. Bon, moi par contre j'ai réussi mon test de concentration. Ouais. Bon par contre l'attaque ça va encore foirer, je sens. Ah non, 14 cette fois-ci. Ça passe, c'est moi les dégâts. Donc la falcata plus le sort. Enfin, la falcata, l'épée courte. Ah oui, c'est vrai. Oh, elle a réapparu dans... Ah non, en fait, non, c'est là qu'on les sport. Combien? 12 et 6, 18. Oui, c'est ça, 12 et 6, 18. Quand t'as fait 18? 6. Un des 6 de la destruction des morts vivants. Et les 12. Un des 8 de l'épée courte. Plus 4. Comment ça, plus 4? Bah, t'as ta force, non? T'as fait 12 dégâts avec l'épée courte. T'as fait 12 dégâts avec une arme qui fait un des 8. Donc t'as un des 8 plus 4. J'ai un des 8 plus 6 en coup. D'accord, ça fait. D'accord, ok. Vous me l'enlevez. Elle est morte. Clorch. On a plus de méduse? Il n'y a plus de méduse. La morte vivante est morte. Voilà. Quelle idée d'ouvrir les coffres aussi. Non mais genre quoi. Non, je suis la première à aller fouiller les coffres. Mais pas les bocaux. Là, je le sentais pas bien. On fouille la tête. C'est bizarre, j'ai mal au crâne. Ah, oh, oh, qu'est-ce qui s'est passé? T'étais Pierre. Non, bah c'est Rémi. Hein. Non, non, t'étais Pierre. C'était en pierre. Ça t'a transformé en pierre pendant 3 rounds ? 2 rounds. 2 rounds. Bon. Est-ce qu'il est... Est-ce qu'il a... Ça ne t'a pas rendu plus intelligent. Ah, mais est-ce qu'il peut se transformer en mort-vivant après ça ? Non, il est immunisé aux maladies. Par contre, moi... T'as été mordu ? Ouais. Oui. C'est contagieux. Ah, j'ai quelque chose d'autre qui devient tout dur. Non, pourquoi ? Il y a peu de chance qu'il se fasse transformer en mort-vivant. Bon, mais. Non. Bon. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a un passage secret? Du coup, après, dans le coffre, il n'y a plus rien. Ah, il y a un cerveau! Dans le coffre, il n'y a plus rien, du coup. Non. De la paille. Franchement, je sais pas qui a eu l'idée d'ouvrir ce coffre. Ah, parce que là, il reste. On n'a pas trop regardé là par là. Mais après, il nous reste la trappe. On a encore dépensé une canalisation, les gars. Il t'en reste combien? 2. D'accord. C'est Tandax. Ouais, plutôt. Comme un Strang. Mais je sens que le truc final sera après la trappe. Bon. Il y a quelque chose dans l'armoire du fond? Celle qui est tout au fond? Moi aussi, je peux le faire. Non, mais c'est vide. Ok. Il y a rien d'autre dans le coin? Trappe, hein. C'est quoi, rien d'autre? Piège ou passage secret ou objet de valeur ou non, trucs bizarres. Tu trouves rien. Des trucs chelous. Bon, on va se. Ça va le ratio entre les premières richesses et maintenant, ça se. Bon, on va se prendre la trappe, hein, les gens. Ah, la trappe, hein. Bah, placez-vous, alors. Rémir, je rappelle juste que j'ai plus que de canalisation, là. Qui c'est qui monte à la trappe? Rémir, qui. C'est qui passe à la trappe? Je passe en deuxième. Ou tu passes en deuxième? T'es pourri, ton jeu. On fait passer. Quoi bon, lui il est devant l'échelle, les autres ils font quoi Ah il est là l'échelle. Il était très bien mon zone. Pardon. Et toi tu passes après Rémi ouais, ou c'est moi qui va derrière Rémi. Rémi Je passe après lui. Pourri comme ta joue là. Et ouais. Les filles je regarde, passe derrière lui. Regarde si jambon c'est ni vu ni connu. Ou vous passez en dernière C'est tout frais. Ouais. Caro, tu passes que quand derrière Quin. Derrière. Dernière. Non mais faut être actif là, ça fait 5 fois. Sur une case s'il vous plaît. Carolina, ça fait. Sinon, je vous place sur la case la moins avantageuse. Carolina, bon. Ça fait 3 fois que je tape. Donc, Rémi, il grimpe au plafond. Et il ouvre la trappe, c'est ça? Oui, Magdalena. Ouais. Oui, oui. Oui, Magdalena. Bon, bah, c'est toi, Dolores. Parce qu'il y avait un piège.
Alors, elle avait vérifié les pièges enclenchement, tout à l'heure. Effet, mais non, j'avais vérifié la trappe. Oui, t'avais vérifié. J'ai pas dit que t'avais réussi. Ah, d'accord. Donc, au moment où elle ouvre la trappe, une grosse brume verte apparaît de nulle part. Hein. Et du coup, ça me fait un sort de... initiative.